Caroline Productions. La chaîne de papier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 des secrets de YouTube. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes 2 et 1, je vous les recommande, allez voir sur ma chaîne. Donc on va tout de suite commencer, donc on se rend sur YouTube. Donc vous allez vous rendre sur une vidéo, n'importe laquelle, qui doit être assez vieille quand même, et avec pas mal de vues. Vous allez descendre sur le côté comme ça, sur les commentaires, et vous allez cliquer n'importe où sur un côté blanc. Donc faut que ça n'active rien du tout, cliquez sur un côté blanc, et vous tapez sur le pavé numérique 1980. Et donc, on peut voir ici que tout disparaît, et que on a un petit jeu qui va se lancer, donc je clique pour continuer. Donc je veux préciser que ces secrets, on appelle des Easter Eggs, ont été créés dans le but de la Geeks Week, par YouTube, voilà, en HTML5 tout à fait. Voilà, donc un petit jeu bien sympa, voilà quoi. Et donc ça c'était par le premier secret. Alors ensuite, si vous vous rendez sur une autre vidéo au hasard cette fois-ci, vous allez taper 1937 en maintenant la touche majuscule et en utilisant pas en utilisant les touches du pavé numérique, mais les touches alphanumériques, donc au-dessus des lettres. Alors vous allez tenir, hop, vous cliquez sur un côté évidemment toujours et vous cliquez 1337. Et on s'aperçoit que tous les commentaires apparaissent en langage SMS, voilà. C'est très sympa. Voilà, vous voyez, il y avait des gens qui connaissaient l'astuce. Donc c'est en train de se répandre. Et donc voilà. On peut voir les commentaires qui s'affichent de cette manière. Alors maintenant, vous allez vous rendre sur la barre de recherche et vous allez taper ceci. Voilà, j'ai un petit marque-page. Parce qu'il y en a beaucoup, donc vous faites copier, voilà, use the force look, et vous allez rentrer. Et on peut s'apercevoir que voilà, on a l'impression d'avoir bu, ou d'être drogué, voilà. Hop, c'est vraiment des effets bien faits. Donc voilà, je sais pas, hop, on va faire comme ça. Et on va retaper un autre. Donc sur cet effet, on peut voir que les vidéos s'affichent avec un petit effet bleu, donc plutôt assez sympa. Hein. Donc vous n'avez qu'à taper bim et hop Scotty, voilà. Donc je vous mettrai tous ces mots à taper dans la barre de recherche en description de la vidéo. Et on en a un autre maintenant. Donc celui-là, je vous laisse imaginer ce qu'il va donner. Mais je pense que vous l'aurez deviné. Allez, on y va. Donc voilà les poneys. Et normalement, voilà, on devrait voir des poneys qui traversent comme ça les résultats des vidéos. Voilà, c'est sympa. Très bien fait aussi comme effet. Et donc le dernier, donc là je me suis trompé, on va rajouter un C de plus, vous allez copier. Et vous allez marquer voilà Fibonacci comme ça. Et vous cliquez sur entrée. Et on s'aperçoit que les vidéos s'affichent en miniature. C'est assez sympa, je trouve. C'est vraiment des Easter Eggs qu'on appelle comme ça, qui sont arrivés à l'occasion de la Geeks Week, voilà, sur YouTube, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, je pense que c'était tout pour ce petit Easter Egg. Je pense que j'ai fait le tour de tous ceux de la Geeks Week. S'il en reste encore, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.